sous sapin, etc. Du coup, on redescend. Et on arrive, c'est ça que je voulais vous montrer, sur une étrangité, comme quoi la nature reprend très vite ses droits. Je vous montre ça de suite. Les amis, donc me voilà reparti, ça y est, j'ai décollé ce matin en voiture et je suis arrivé à 11h30 midi. De là j'ai décollé et me voilà rendu sur les sentiers déjà. Juste ici en plus le petit point d'eau, je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Bref, vraiment sympa, ça faisait très longtemps, ça me manquait énormément et je me languissais de reprendre. Donc pour cette fois-ci, très simple. Je me suis improvisé un petit chemin. Je pars pour 4 jours, en autonomie bien entendu, pour faire un parcours de 55 km à peu près. Je suis parti de Prévenchères, qui est limitrophe, enfin c'est entre la Lozère et l'Ardèche, pour faire une belle boucle. J'emprunte plusieurs GRP, plusieurs GR. Ouais, je me suis fait un bon petit chemin. Des endroits que je n'ai pas encore vus, ce qui devient rare dans le coin. Et voilà, donc je vais vous faire quelques photos, d'autres vidéos bien entendu, et je vous dis à tout à l'heure les amis. Se termine tranquillement. Comme vous avez pu voir, j'ai monté la tente. Je me suis posé, j'ai fini assez tôt, j'ai fait plus que ce que je devais faire, c'est très très bien. Les nuages sont arrivés, le temps se couvre un peu, rien de grave, rien de méchant, il pleuvra pas, mais ça fait du bien d'être au frais. Bonne fraîcheur s'est installée dans la nuit. Là je suis près de mon chemin qui est juste derrière moi pour attaquer demain. Comme vous avez pu voir, je suis pas sur le meilleur des endroits que j'ai pu faire, mais c'est déjà un très bel endroit pour passer la nuit. Il a fait très chaud, je vais pas vous mentir. Là, ça y est, l'été est arrivé. On le voit tout de suite, tout ce qui est insectes, fleurs, tout est au rendez-vous. Donc voilà, là je vais aller manger, dormir, et je vous dis à demain les amis. Bonne nuit.
voilà, j'ai très très bien dormi, j'ai passé une magnifique nuit. Oh, j'ai même fait la grasse mat. Je me suis levé à 8h, c'est pour vous dire. Du coup, j'ai déjeuné, j'ai rangé la tente et je suis reparti. Donc je suis passé par le sommet du Goulet et je suis redescendu. Là, je me dirige vers Belvedere. Voilà. Ouais, des noms pas forcément évidents à dire. Donc la chaleur a repris, bien évidemment, il fait assez chaud. Et encore que là, j'ai pas à me plaindre, je suis arrivé dans un coin où il y a un petit peu de vent, une brise. Donc du coup, effectivement, ça fait du bien. J'ai croisé quelques vaches, et là en fait, je suis redescendu de la montagne. Je me rapproche des vallées, et du coup, les pâturages sont à nouveau ici. Donc voilà, je vais continuer à vous faire des photos et vidéos. Et je vous dis à tout à l'heure, les amis. Tout à l'heure! Ça y est, là je fais une petite pause, je vais pas vous mentir, il fait chaud, il fait plus que bon même. Donc là j'ai passé Belvedere, les Chazots, oui je crois que c'est ça, je sais plus, et j'ai commencé à remonter. Donc là je dois être à 1400 mètres, en sachant que le plus haut, c'est le il y a un sommet un peu plus loin, je me rappelle plus de son nom, je vous le dirai tout à l'heure, il est à 1500 mètres. Donc là en fait j'ai très bien avancé, je vais continuer pour trouver un coin pour dormir avec une belle vue, c'est ce que j'aimerais avoir du moins, parce que là je suis de forêt en forêt, donc effectivement pour avoir les couchers de soleil etc et tout, c'est un peu embêtant. Et donc trouver un coin pour dormir et me poser. J'ai fait quelques photos et une vidéo, bon. Après, effectivement, en redescendant, c'est soit on est en plein dans la forêt, soit après, c'est que des pâturages. J'ai croisé quelques vaches, encore. Mais c'est de beaux décors. C'est vrai que c'est pas mon kiff à moi, mais c'est joli quand même. C'est à voir. En plus, j'ai de la chance d'avoir quelques nuages bien blancs qui traversent le ciel, etc. Et tout. C'est vrai que c'est très joli, quoi. Donc voilà. Je vais continuer, finir ma pause, bien entendu, et je vous dis à tout à l'heure. Tout à l'heure, les amis. Donc voilà, le camp est posé, va falloir aller manger. Donc comment vous expliquer? Donc effectivement, je suis remonté de l'Échazot et j'ai continué à grimper, là où j'ai fait d'ailleurs une vidéo. Il a fait très très chaud, je ne vais pas vous mentir. Donc après, on récupère un sentier forestier, mais hors norme. C'est vraiment THE sentier forestier. Il y a pas mal de passages en 4x4 et voitures, motos, enfin, etc., etc. Donc j'ai décidé de continuer, tout simplement, hein, je ne vais pas m'embêter. Je suis donc redescendu et j'ai trouvé ce petit sentier sur la droite où je me suis mis dans le renfoncement pour pouvoir poser mon camp, tout simplement.
Voilà. Donc là, par contre, je ne vais pas vous mentir. Autant là-haut au col, même qui est le grand sentier forestier, c'est très joli. Je vous ai fait quelques photos où on voit la bruyère, des champs de bruyère, c'est impressionnant. Autant en redescendant, ça perd de son charme. C'est vraiment, je reste un peu déçu. Ils auraient peut-être pu trouver, enfin nous faire bifurquer ou que suivre ce sentier-là. Malheureusement, ce sentier-là va durer jusqu'à la Bastide. Et bon, alors j'espère que ça s'arrêtera assez vite. Demain, donc ben, c'est reparti. Hein. Alors il se pourrait que ce soit du coup le dernier jour du trek. J'ai vraiment trop avancé. En plus, demain, il risque d'y avoir de forts orages. Donc à voir. Moi, ça m'étonnerait, personnellement, vu le temps ici, mais vous savez, en montagne, ça change très très vite. À voir. Voilà, donc là, ben, programme de la soirée. Ben, alors ce soir, c'est quoi? Saucisse lentille, pour changer, mais j'adore ça, moi. Saucisse lentille, un café, quelque part de céréales comme dessert, et dodo, parce que je suis fatigué. Je vais pas vous mentir, je suis claqué. Disons que la chaleur... moi, je la supporte pas forcément bien. De toute façon, j'adore l'hiver, moi. Donc, c'est pas maintenant que je vais apprécier ces chaleurs de fou. Voilà. Donc, je vous dis à demain. Bonne soirée, les amis. Ça y est, je suis reparti, j'ai passé une excellente nuit. Du coup, je me suis réveillé à 9h, c'est pour vous dire. J'ai pour habitude de me donner le départ à 10h, je suis parti un peu plus tard. Voilà. Par contre, j'ai très très bien dormi, impressionnant. Bon, effectivement, hier, le coin était pas super sympa, mais en attendant, l'essentiel, c'est que j'ai très bien dormi pour la marche d'aujourd'hui. Donc, comme vous avez pu voir sur les photos précédentes, je vais passer à côté d'éoliennes. Donc, tant mieux. Il en faudrait peut-être un peu plus sur notre territoire. Je pense. Hein. Après, c'est vrai que j'avais vu pas mal de trucs sur les gens qui habitaient à côté. C'était pénible pour eux d'avoir ça. Donc, peut-être les mettre justement dans des régions... un peu désertique comme ici, ça pourrait être, je pense, la meilleure solution, mais bon, ça c'est un autre débat. En attendant, là je me dirige vers la Bastide, et après, ben, ce sera Prévenchère, à voir si je passe une dernière nuit ou pas, on va voir, car j'avance plutôt assez bien, même plus que bien. Donc, je vous dis à tout à l'heure, je vais encore faire quelques photos et vidéos, bien entendu, et... à tout à l'heure, les amis. Thank you.
Donc voilà, j'ai passé la Bastide puis le Rhin, et je me dirige donc vers Préventchères. Voilà, donc pas mal de descentes jusqu'à la Bastide, on replonge dans la vallée. Après, ben, forcément, ben, ça remonte. On traverse la nationale, on a un petit chemin de forêt sous sapin, etc. Et du coup, on redescend. Et on arrive, c'est ça que je voulais vous montrer, sur une étrangité, comme quoi la nature reprend très vite ses droits. Je vous montre ça de suite. Donc, à mon avis, et c'est même pas mon avis, il y a même les tracés au sol, c'est une ancienne route que personne ne doit plus trop fréquenter. Et ben, la nature reprend ses droits, quoi. Donc là encore, on voit les traits au milieu et tout. Mais juste derrière moi, on aurait vraiment dit un sentier forestier, c'est recouvert de terre. Je voyais ces traces blanches au milieu, je comprenais pas. Donc voilà, comme quoi, faut pas longtemps pour que tout revienne en ordre. Le bitume est bien marqué, il commence à se désagréger. Enfin voilà, donc bah, pour moi, direction Préventchères. Il faut que je passe Payas avant et le Thor. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. J'arrive plus à parler. Je vous dis à tout à l'heure, et avec des photos et vidéos. Tout à l'heure, les amis. J'arrive à Préventchères, en fait. Je dois être à 1 km. Donc, c'est vrai que j'ai été rapide sur cette partie. C'est pas que j'ai choisi petit, je vous expliquerai bien plus tard. J'ai des projets pour les années à venir et je me tiens en forme. Donc, assez bon chemin, je reste mitigé tout de même. C'est pas ce que j'ai vu beaucoup dans le coin. D'être en forêt, s'évader. Et pour une première sortie après le confinement, ou le déconfinement, je ne sais plus comment on dit, ben, j'ai pas perdu de ma forme. Je suis content. Par contre, je ne vais pas vous mentir, il a fait extrêmement chaud. Là, je pense qu'on l'entend, j'ai un tout petit vent, fort, c'est vrai, mais qui fait du bien, ça n'empêche pas qu'on est attaqué par les rayons du soleil, donc toujours bien se protéger. Donc, je vais essayer de faire encore quelques photos, peut-être une vidéo. Et je vous dis à très bientôt au prochain trek, les amis. Ciao !